Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu particulière sur Dorine Virtue parce qu'une abonnée m'a demandé de faire une revue de tous mes jeux et j'ai décidé de le faire finalement, de vous présenter mes tarots et oracles de Dorine Virtue et à la fin de cette vidéo, je vous dirai ce que je pense de l'auteur. Donc, je vais tout d'abord vous présenter les jeux. Je vais commencer par le tarot des anges gardiens. Je vais essayer d'aller vite parce que j'en ai énormément. Je ne suis pas là pour montrer les cartes une à une, mais bon, c'est pour vous montrer à quoi ils ressemblent. Et voilà, et puis tu vois aussi peut-être s'ils vous plaisent ou pas. Alors le tarot des anges, c'est bon, parce qu'en fait, Dorine Virtue a quand même créé énormément de tarots et d'oracles, quand même souvent basés sur les anges, Dieu. Les fées, les princesses, enfin pas les princesses, mais les licornes, les sirènes, enfin voilà, on est toujours dans un monde un peu féerique, mais en même temps très spirituel. Donc voilà, bon, c'est Dorine Virtue, c'est son, comment dire, c'était son cheval de bataille à l'époque. Et sincèrement, bon, moi au début, il ne me plaisait pas du tout, j'en avais pas du tout dans ma collection, et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à en acheter un et deux et trois, puis. J'ai commencé à me faire la collection, puis. Alors, sincèrement, il y en a qui me plaisent énormément, d'autres un peu moins. Mais voilà, j'y suis attachée. Il y a un petit côté affectif qui fait que, voilà, je les garde. Donc, voilà, c'est un tarot plutôt romantique. Donc, tarot des anges gardiens, avec des images très douces, très pastel. Voilà, on est quand même sur un tarot très. Comment dire, plutôt positif, plus réconfortant. Enfin voilà, on n'est pas sur un tarot qui va dire les choses franchement, je vous le dis honnêtement. Mais on a énormément de messages, et ça c'est vraiment typique de Dorine Virtue. On a de très longs messages sur les cartes. On aime ou on n'aime pas. Moi j'avoue que lorsque j'ai vu qu'il y avait un livret, parce que je pensais qu'il n'y en avait pas en fait, quand j'ai vu qu'il y avait un livret, en plus des messages qu'il y a sur les cartes, je trouvais que ça faisait trop. Vraiment. Mais bon, après, parce que finalement, on n'a que ça d'illustration, c'est un peu plus de la moitié de la carte, et puis bon, voilà, le message est très long. Moi, je lui dis, une fois que j'ai lu le message, je ne vais pas aller non plus regarder dans le booklet. Voilà, on est quand même sur des images plutôt douces, d'époque, un peu début du XXe siècle, enfin voilà, on est quand même sur de. Oui, voilà, fin 19e, début 20e. Un peu ce qu'on avait dans nos petits livres de lecture lorsque nous étions enfants. Enfin, vous voyez, c'est quand même un tarot, pour moi, très joli. Moi, j'aime bien. C'est, on dirait des petits cadres avec de la petite dentelle. Vous voyez ce qu'avaient nos mères dans leur cuisine. Et on retrouve un petit peu ce genre d'illustration. Donc ça, c'est le tarot des anges gardiens. Et je trouve qu'il est. Celui-ci reste très joli et celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue et Radley Valentine qui a toujours collaboré avec elle. Donc on le retrouve d'ailleurs sur beaucoup de jeux. D'ailleurs, depuis que Dorine Virtue a arrêté, lui, bien sûr, continue à produire des jeux ou faire des collaborations avec d'autres personnes. Donc voilà, ça c'est tarot des anges gardiens. Je vous dis, je vais rapidement parce que bon voilà, c'est pas une revue précise des jeux. Donc voilà, ça c'est le tarot des archanges, toujours avec Radler Valentine. Donc les archanges, voilà, on est toujours dans un univers très spirituel avec les archanges. Alors celui-ci, pareil, voilà, on aime ou on n'aime pas. Bon, par exemple, j'aime pas trop le dos. Avec les petites ailes. Après les illustrations très courantes chez Dorine Virtue, on a souvent l'illustration qui est au centre, toujours le même style d'illustration, alors avec des photomontages, elle est quand même, on va dire, précurseur dans les jeux de photomontage. Elle en a énormément. Alors je me souviens qu'il y avait un jeu, alors je ne sais pas lequel. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, d'autres jeux où elle était, elle et son mari, figurés sur les jeux. Ça fait un peu mégalo. Mais bon.
Après, il y a un côté un petit peu raté sur le photomontage. On voit que ce sont des photomontages. Mais bon, les illustrations restent quand même jolies. Elles sont très féeriques. Je sais pas. Oui, on est toujours dans l'univers des anges. L'univers de comment dire, des fées. Enfin voilà. On est quand même dans un univers très très. Voilà, les licornes. Les fées. Bon, enfin, vous voyez. Bon, celui-ci est sympa. J'aime bien les couleurs. Moi, c'est vrai que j'aime bien la distinction des différentes catégories. Par exemple, les majeures sont en violet. Et après, les différentes mineures sont séparées par des couleurs orange, bleu, voilà, vert. Voilà, c'est un très très joli tarot. J'aime bien. J'aime pas le dos, je vous le dis honnêtement. Et voilà, certains photomontages sont un petit peu loupés. Voilà. Bah, ça, c'est le tarot des archanges. Je sais, je vais un peu vite, mais j'ai énormément de jeux. Et à la fin, vous me direz, ouais, heureusement qu'elle est allée vite parce que c'était vraiment très long. Parce que je pense que cette vidéo sera longue. Donc, je prends de rangée parce que si je commence à étaler toutes les cartes derrière moi, je vais jamais m'y retrouver. Voilà, ça c'est le tarot. Toujours des livrets hein, en noir et blanc. Bon, je vous montre pas les livrets, vous doutez bien que ce sont toujours les mêmes structures de livrets chez Dorine Virtue. Il y en a un que j'avais déjà présenté, je vais aller plus vite, c'est le tarot des anges. Pareil, on est toujours dans l'univers très spirituel de Dorine Virtue. Je pense que, en fait, elle est très croyante. Bon, après, je ne sais pas si. Oui, elle est chrétienne. Alors, je ne sais pas si elle est. Vu qu'elle est américaine, je pense qu'elle sera protestante. Ou, après, là-bas, il y a différents courants comme les baptistes, les calvinistes. Il y a vraiment énormément de courants là-bas. Donc, celui-ci, plus joli. J'adore le bleu en plus. Donc, le dos est très très sympathique. J'aime bien. Bon, toujours les tranches dorées, comme d'habitude. Après, même structure, partagée, divisée en couleurs. Par contre, là, j'avoue que les illustrations sont beaucoup plus travaillées, plus. J'aime bien. Il y a un petit côté, on voit moins, il y a certains photomontages, mais on ne les voit pas. Je pense que c'est un peu plus réussi, ça a dû être fait sur ordinateur, mais je trouve qu'il est beaucoup plus réussi au niveau des illustrations. Vraiment. C'est très très joli tarot. Moi je l'aime beaucoup, et d'ailleurs je l'utilise beaucoup celui-ci, parce que je trouve qu'il est vraiment plein de ressources, plein de couleurs, plein de petits signes, de petits indices au niveau de la lecture. Il est assez parlant. Voilà, on n'a pas vraiment besoin du livret. Mais c'est vrai qu'il est vraiment, regardez le 5 dos, enfin avec les coupes. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Celui-ci est vraiment très très bien. Donc là, on a certaines majeures. Regardez la roue, enfin c'est la roue de fortune avec l'archange Michael, excusez-moi pour ma voix. Pardon, elle va revenir. Donc voilà, très très joli tarot, j'aime beaucoup celui-ci. Tarot des anges. Celui-ci, je pense qu'il s'est bien vendu parce que beaucoup l'ont, je l'ai beaucoup vu en revue. Je pense qu'il a vraiment fait l'unanimité celui-ci et même beaucoup des copines youtubeuses qui présentent des jeux longs. Donc je l'ai souvent vu. Et il est vraiment très très sympa. Dernier tarot pour ma part, c'est le tarot des fées. Très très joli aussi. Alors là, on a des mondes féeriques. Hein, un peu moins spirituels. Bon, même si on reste quand même toujours dans les mêmes univers avec Dorine Virtue, bon, toujours en collab avec Rattler Valentine, bon, le petit livret, voilà. Celle-ci, les tranches sont argentées. Le dos est très joli, en bleu, bleu-violet. C'est la carte de présentation. Et puis, voilà, alors, il est très ressemblant au Tarot des Anges. Le photomontage est un peu plus flagrant sur celui-ci. Mais bon, après, je trouve que c'est presque une. Un copier-coller, hein. Vraiment, c'est presque un copier-coller avec. Elles sont encore collées, celles-ci. C'est un copier-coller avec le tarot des anges, vraiment.
Celui-ci, je crois que je ne l'ai pas trop utilisé, je vous avoue. En fait, comme j'utilise plus l'autre, j'ai pas ressenti le besoin d'utiliser celui-ci. Pour les photos au montage, est un peu plus flagrant, on le voit bien là. Ouais, des illustrations qui sont plus... Par exemple, celui-ci est complètement raté, je sais pas si on voit bien. Là, il est raté. C'est même pas la même couleur de peau, c'est... Je non, enfin vraiment celui-ci est raté un petit peu. Et ensuite, on a voilà d'autres cartes un peu comme ça. La grande prêtresse qui est pas mal en bleu, là c'est vraiment très bien. Donc voilà, ça c'est le tarot des fées qui est vraiment sympathique. Mais je préfère le tarot des anges et voilà, je l'utilise plus. Donc c'est pour ça que celui-ci n'est pas complètement mélangé. Mais si vous avez le tarot des anges, honnêtement, vous n'avez pas besoin de celui-ci. Enfin, franchement. Puis après, les tarots de Rune Virtus se ressemblent quand même très, très souvent. Bon, ça fait partie des critiques que je fais de Rune Virtus. Mais après, ben, si on... moi, j'ai voulu me faire la collection voilà, de Rune Virtus, sachant qu'elle avait arrêté. Mais après, bon, je vous avoue que c'est pas mes préférés, en fait. Je vais descendre un peu, parce que là, je suis sur les oracles qui sont plus petits. Alors ça, c'est l'oracle Amour et Lumière. Bon, là, on est ici encore une fois avec des anges. Bon. Alors, il est... Moi, il m'a un petit peu surpris, mais finalement, il est pas mal. Donc, le dos est très joli. Moi, j'aime beaucoup le dos. Et après, ça m'a surpris parce que je trouvais qu'il était beaucoup plus simple, en fait. Alors toujours, on a un message là, puis après on a un proverbe en dessous, on a des psaumes, on a des qui sont tirés de la Bible aussi. Donc pour moi, ça surcharge un peu les cartes, parce que les illustrations n'occupent jamais toute la carte. On a c'est trop chargé en message, vraiment. On aime ou on n'aime pas, mais moi souvent je trouve que c'est trop. Voilà, bon, on la retrouve pour moi, bon là... Voilà, on est dans la Bible, là. Hein. Après, les messages, je vous avoue qu'ils sont très positifs. Ça fait du bien. Voilà, avec Dieu, tout est possible. C'est très positif. Il n'y a pas de message négatif. On est là pour rassurer. On est là pour travailler sur soi. Donc, moi, j'avoue que c'est pas mal, hein, aussi. Enfin, surtout quand on aime avoir des recevoirs, et puis quand on n'est pas très bien aussi, on a besoin de recevoir des messages positifs, donc forcément, moi je pense qu'ils sont bien pour ça, parce que voilà, si on est, quand on est déprimé, on n'a pas besoin de se tirer les cartes avec la triade par exemple, ou le béline. Voilà, c'est pas franchement tout le temps positif, hein. Donc voilà, ça c'est l'oracle Amour et Lumière. Et franchement, il est sympa, mais bon, c'est vrai que je trouve qu'il est un peu moins joli que certains que j'ai. Ça, c'est licorne magique. Il a un petit côté ringard, mais j'aime bien. Alors, je vous avoue qu'il est, ouais, il est très ringard même, mais j'aime bien. On est dans le monde des licornes, donc on a le petit livret, toujours, les tranches sont dorées, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe là, ouais. Alors, le dos, moi, j'aime pas. Je trouve bof. Mais bon, ça va. Il y a pire. J'adore les cartes. Par contre, j'adore ces cartes. J'adore cette petite banderole ici. Cette bande ici avec le message. Voilà, créativité. Et ensuite, nous avons le petit message de la carte. Dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. Là, vraiment, il est très réussi, celui-ci. Des petits messages très sympas, très rassurants, qui permettent aussi de faire un travail sur soi, de se sentir mieux dans la journée. Enfin, voilà, on a toujours des messages positifs. Et on peut faire aussi de la divination, parce qu'on a des cartes comme celle-ci. Définitivement, oui. Enfin, voilà, vraiment, on est sur un oracle très positif. On peut faire de la divination avec. Il est vraiment très, très bien. Enfin, moi, je l'aime beaucoup et je trouve que les illustrations sont très, très sympas. Voilà, vraiment très beau, très belles illustrations. Ça remplit bien la carte. Voilà. Il fait le travail. Vraiment, il est très, très bien. Et celui-ci, c'est vraiment...
mon... Enfin, il fait partie de mes favoris. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je lui dis, il est ringard, mais c'est mon chouchou. Même si je n'aime pas le dos, hein, mais ça, c'est pas grave. Un autre que j'aime beaucoup, c'est le sens de la vie. Ça, c'est bien quand on est dans des doutes au niveau professionnel. Donc là, on est aussi avec des anges. Et on nous reçoit des messages, pareil. Alors, le dos reprend un peu la couverture. Mais j'aime bien le dos vert, comme ça. On a toujours le petit livret. Les tranches toujours dorées. Voilà, et on reçoit des messages comme ça, parler aux anges. On a des petits conseils, par exemple, carte oracle, vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Donc on est tout le temps dans des messages positifs, des messages de guidance. Et moi, je trouve qu'il est très bien pour ça. Après, les illustrations sont très sympathiques. Bon, on est toujours dans dans des illustrations très centrées qui n'occupent pas la carte, là. Bon. Mais j'aime beaucoup celui-ci, il répond à beaucoup de questions, il est assez clair, et on fait de la divination aussi, on peut faire de la divination, on peut le coupler avec un, qu'on appelle avec un tarot. Non, vraiment, il est très très bien, très très bien, vraiment, je l'aime beaucoup. Bon, là, on a un photomontage pour moi qui est raté. Moi, pour moi, quand on voit trop le visage comme ça, j'aime pas. Mais bon. Entrepreneur, enfin voilà, il est vraiment très bien et utile. Vraiment, pour moi, il est même mieux que Mission de vie de comment il s'appelle? Stéphanie Serre, je crois. Je sais plus si c'est Stéphanie ou. Et ils sont bien ces oracles, mais je trouve que celui-ci est beaucoup plus complet et les messages sont beaucoup plus clairs, plus limpides. Alors. Un autre, c'est les réponses angéliques. Alors celui-ci aussi un peu ringard. Mais je l'aime bien. Voilà, il est très chargé. Voilà, le dos est vraiment très chargé. Les tranches sont dorées. Et puis les cartes sont vraiment chargées. Moi, le cadre, je trouve que c'est trop. C'est trop. Après, on a des réponses claires. Vraiment, ça avec un tarot, c'est très efficace. On a vraiment des réponses claires, limpides, droit au but. Et voilà. Par contre, ce cadre-là, moi, je ne l'aurais pas mis. Voilà, j'aime pas. Voilà, écoutez votre intuition, attendez-vous un signe. La méditation apporte des réponses. Voilà. Il est vraiment très, très bien. Après, bon, je trouve que c'est les cartes sont trop chargées. Voilà, je lui dis, on a des réponses très, très radicales. Ça fait du bien aussi. Voilà, oui aussi. Demander aux autres, l'aide des autres. Non, vraiment, pour la divination, il est vraiment très très bien et je trouve qu'il fait bien le travail. Alors, celui aussi, c'est une collaboration avec Radler Valentine. Alors. Je suis en train de. Bon, je vais ranger ça tout à l'heure, c'est pas grave. Je suis en train de tout mélanger là. À l'envers, à l'endroit. Je fais n'importe quoi. Un autre. Guérir avec l'aide des anges. Alors, guérir avec l'aide des anges. Pareil, j'ai le même souci, c'est le cadre. Bon, là, on est sur de la guérison. On est sur du réconfort. Les messages sont très très bien, mais alors le cadre là, il est d'une lourdeur, mais c'est vraiment d'une lourdeur ce cadre. Après, là, le cadre, c'est un espèce de parchemin brûlé. Bon, ça donne un style. Ça, c'est l'illustration d'un oracle que j'ai, c'est l'archange Michael. Je crois que je l'ai. Je l'avais quelque part. Oui, je l'ai, je l'ai. Voilà, bon, on a repris une illustration. Moi, j'aime pas quand ils font ça. Il y a aussi Tony Salerno qui le fait. Et parfois, c'est un petit peu énervant de retrouver dans d'autres jeux les mêmes illustrations. Moi, ça m'énerve. Par contre, les illustrations sont sympas, mais moi, j'aime pas ce cadre. Vraiment, j'aime pas. J'aurais préféré que l'illustration remplisse toute la carte et qu'il y ait moins de messages en dessous.
Bon, âme jumelle, ça va, j'ai pas besoin d'avoir un message en dessous. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Merci. Ah, c'est bon, enfin, je n'avais pas besoin de ça en plus. Tu me remplissais la carte de l'illustration, tu me mettais juste le message en haut et puis c'est tout. Enfin voilà, c'est ce que j'aurais préféré. Vous allez dire, tu présentes et tu critiques tout. Non, non, je suis honnête. Enfin, je veux dire, je vais pas raconter des bêtises. Je vous dis, j'avais hésité à en acheter. Après, j'en ai acheté plein, j'ai fait ma collection. Il y en a que j'aime beaucoup, il y en a que j'aime moins. Et puis, il y en a bon, que j'aime, mais qui, d'un point de vue esthétique, parfois, ne remplissent pas mes critères. Donc, ouais, mes illustrations, elles sont sympas. C'est ça, le pire. C'est qu'elles sont sympas. Et puis, regardez celle-ci, là, l'intégrité. Franchement, cet ange avec toutes les fleurs autour et juste le message intégrité, moi ça me suffisait. Je n'avais pas besoin d'avoir la définition en dessous. Enfin bon. Ça, c'est guérir avec l'aide des anges. Et je comprends hein, qu'ils ne fassent pas l'unanimité parce que moi j'en connais qui ont dit moi. Il y a trop de. Elles sont trop chargées ces cartes et elles sont un petit peu. Un peu ringardes. Alors, un autre. C'est l'oracle des anges. En plus, qui est en violet. Moi, j'adore le violet. Très, très bien. Petit livret qui va bien. Le dos violet avec un ange. J'aime bien. Moi, je trouve que c'est joli. Voilà, alors l'illustration, enfin les illustrations sont très sympas. Bon, on a toujours ça, un pavé en plus du livret. Bon, les illustrations sont vraiment très très jolies et c'est dommage quoi. Enfin, vraiment, j'aurais bien aimé réduire ça et avoir un peu plus de remplissage d'illustrations sur les cartes. Mais après, quand vous vous attardez sur l'illustration, elles sont vraiment sympas. Elles sont très jolies, très parlantes. C'est voilà. C'est trop mignon. C'est un petit côté. Parce que je pense que Dorine Virtue, bon, qui était très croyante, enfin qui l'est toujours d'ailleurs, je pense qu'elle avait aussi un petit côté enfantin en elle. Enfin, je pense qu'elle avait un côté chez elle qui était lié à l'enfance. Elle avait besoin de retrouver un petit peu ce genre de relation avec les dessins. Et c'est pour ça que je me retrouve aussi là-dedans, parce que moi aussi j'aime ce genre d'illustration qui touche l'enfance. Et je pense qu'elle en était là, donc forcément on retrouve la même chose dans tous ces oracles. Bon, après celui-ci il est joli, il est sympa, j'aime bien la couleur. Il fait le travail, il est plutôt dans le conseil et tout, donc je trouve qu'il est très très bien celui-ci. Oh, mince, j'ai fait une bêtise. Alors, le suivant, celui-là, je l'aime beaucoup. Je crois que c'est le premier que j'avais acheté. C'est l'oracle des fées. Et celui-ci, vraiment, il est très sympa. En violet, toujours. Le petit livret. Par contre, les cartes sont vraiment plus sympas. J'aime bien. Moi, les cartes, je les trouve très jolies. Le dos avec une espèce de baguette magique. Mais. Voilà, moi j'aime bien. Le cadre me dérange pas parce qu'il est joli. Bon, on a toujours une tartine, mais de messages, mais j'aime bien. Hein. Les messages sont assez clairs. Nouvelle carrière, faites des recherches. Les illustrations sont très sympas. Je vous dis, ça me rappelle un peu l'enfance, pareil. On est sûr dans des univers très très enfantins. Et voilà, je pense que l'auteur a vraiment un lien avec ça, quoi. Il y a quelque chose. Mais bon, je vous dirai à la fin ce que je pense de Dorine Virtue. Donc, ça, c'est l'oracle des fées. Je suis déjà à 24 minutes de vidéo et je n'ai pas fini. Je me demande si je ne vais pas devoir faire deux vidéos. Alors, j'ai aussi l'oracle des vies antérieures. Alors là, c'est une collaboration avec Brian Levice. Il n'a rien à voir avec les autres, il est complètement différent. Là, c'est vraiment de la photo. Donc, les vies antérieures, pareil. Moi, je préfère aussi celui-ci à celui de Stéphanie Serre. Mais voilà.
Il est peut-être un peu difficile à comprendre, je pense. Mais par contre, j'aime bien la colorimétrie des photos. Un peu un sépia détourné dans les bleus, les jaunes, les beiges. Après, ce sont des photos, mais je trouve ça très, très joli. J'aime beaucoup. Voilà, donc si on aime travailler un petit peu sur les vis antérieures, je trouve que celui-ci fait très, très bien le travail. Bon, le dos, il n'est pas fou, hein, mais j'aime beaucoup les photos. Vous voyez, on est quand même dans des illustrations. Enfin, c'est pas des illustrations, ce sont des photos, hein. Mais là, au moins, il n'y a pas de surprise. On sait que ce sont des photos. On n'est pas déçu. Donc ça, c'est l'oracle des vies antérieures. Le suivant, l'oracle des maîtres ascensionnés. Avec le petit livret. En celui-ci, je le trouve ringard au niveau de la couverture, mais j'aime beaucoup les cartes. Comme quoi, hein, parfois. Alors, le dos, pareil, l'archange Michael. Enfin, bon, ça suffit, quoi. C'est. Bon, c'est pas grave. Mais après, j'aime bien les cartes. Alors, c'est aussi du photomontage, de l'illustration et tout. Mais j'aime bien le cadre. C'est un petit côté spirituel, de différentes cultures. Moi, j'aime bien. On peut l'utiliser comme outil divinatoire ou avec un tarot. Voilà, on a des réponses assez claires, on n'a pas des messages trop trop longs et puis on a toutes les traditions des différentes cultures représentées, que ce soit égyptienne, chrétienne, indienne, enfin vraiment il y a de tout. Et elles sont vraiment très très jolies. Donc ça c'est l'oracle des maîtres ascensionnés et je le trouve très très beau. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Ensuite, les cartes divinatoires des archanges. Alors là, on est vraiment dans la divination. Et celui-ci est très joli au niveau des illustrations. J'aime beaucoup. Le dos, bon, il est. Voilà, il est ce qu'il est. Mais on a toujours ce problème. Voilà. Les illustrations sont très sympas, mais on a une bande large comme ça avec un message. D'autant plus que je trouve que on aurait pu se passer de tout ça déjà. Voilà. Mais bon. C'est. Voilà, c'est pas grave, mais bon. Moi, j'aime bien les illustrations, elles ont un petit côté toujours enfantin. Il y a des cartes, on a vraiment l'impression que c'est fait à la main. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ces illustrations. Alors, ça, c'est celle de la couverture. Enfin, voilà. On a des messages, des anges. On est dans de la guidance, bien sûr. Mais voilà, très, très joli oracle. Alors. Je sais que je vais un peu vite, mais quand on en a beaucoup, c'est un peu compliqué de passer trop de temps sur les jeux. Après, si en commentaire vous me demandez une présentation spécifique, moi je peux la faire, il n'y a pas de souci. Une présentation d'un des jeux de Dorine Virtue, enfin d'un ou plusieurs jeux, mais de manière à ce que je m'attarde dessus. Donc, ça, c'est Message d'amour de Jésus. Donc là, comment dire, on s'approche de plus en plus de sa spiritualité à elle. Hein, et c'est vrai qu'on avait de plus en plus de jeux qui étaient quand même tournés vers Dieu. Hein. Donc ça, c'est pareil. Alors moi, j'aime beaucoup. Alors il est très très bien, il est joli. Donc on a Jésus sur toutes les cartes avec un petit message. Et enfin, c'est des messages qui viennent de la Bible. Ou des évangiles plutôt, des évangiles. Les messages des évangiles, et moi je trouve que c'est vraiment très reprends courage, ta foi t'a sauvé. Enfin voilà. Après, quand on est chrétien, forcément ça parle. Et enfin, moi ça me parle du moins. Mais je trouve qu'il est vraiment très très sympa. J'aime bien. Après, le dos est un peu violent.
Je sais pas, je trouve qu'il y a un côté un peu ouf. Je suis pas fan, mais bon, c'est pas grave. Mais le jeu est très beau, les cartes sont très jolies, hein, croyez-moi, elles sont pas décevantes. Donc ça, c'est message d'amour de Jésus. Donc il n'y a pas de livret hein, dans celui-ci. Hein. Le suivant, c'est les anges de l'amour. Alors là, c'est plutôt de la guidance sur les relations amoureuses. Il est vraiment très sympa. Par contre, je l'utilise quasiment jamais. J'aime beaucoup le dos. Étrange doré, toujours. Mais après, je trouve qu'il est très très sympa. Alors là, bien sûr, il fait de la divination aussi. Mais plus bon dans les relations amoureuses, où on en est dans son couple. Voilà. C'est très 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 romantique, très joli. Bon, plusieurs différentes cultures sont représentées aussi. Bon, là, le photomontage est un peu bizarre, mais bon. Ça arrive souvent dans les jeux de Dorine Virtue, des photomontages un peu bizarres. Voilà. Donc ça, c'est celui des anges de l'amour. Il est très sympa. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai donc? J'ai Ange Indigo, celui-ci je l'aime beaucoup, mais vraiment je l'aime beaucoup. Les messages de guidance, de réconfort, mais celui-ci vraiment je l'aime bien, c'est un très très joli oracle. Alors, elle avait collaboré avec son mari, non son fils pardon, Charles Virtus c'est son fils. Et alors le dos est magnifique et j'adore les messages, vous n'êtes pas seul, protection. Vraiment, il est très, très, très joli. Très beau. Celui-ci, c'est mon préféré. Enfin, c'est l'un de mes préférés, du moins. Celui-ci, vraiment, je l'aime beaucoup. Alors, on est quand même sur un truc. Sur un oracle qui, voilà, qui rappelle les anges, toujours. Mais on est vraiment sur un très, très bel oracle. Et les messages sont vraiment très bien. Hein. Il y a acceptation, santé, liberté. Enfin, vraiment, il est très, très bien. Celui-ci, vraiment, c'est l'un de mes préférés. Vraiment, il fait partie de la top liste de Dorine Virtue. Et on arrive presque à la fin. Et encore. Alors, l'archange Michael. Alors, il se présente ainsi. Je l'utilise jamais parce qu'il ne me parle pas. Moi, il ne me parle pas. Hein. Donc, on a des messages toujours. Il est. Bon, après, il est bien. Il n'est pas moche. Hein, il est joli. Mais bon, voilà, trop de blabla. Faut faire une. On a, comment dire, un message des anges. Et ensuite, on a une prière. Enfin. Il est lourd. Franchement, cet oracle, pour moi, est trop lourd. Trop lourd. J'ai un peu de mal. Je dis, j'utilise quasiment jamais. Hein. Après, il est pas moche, hein. Mais bon. Il est trop lourd pour la lecture, je trouve. Voilà, ça, c'est vraiment. Honnêtement. Si je devais le conseiller, celui-là, ce serait non. Je le conseillerais pas. Je suis pas fan. Mais après, c'est moi. Hein. On peut l'apprécier. Hein. J'ai l'oracle des déesses que j'avais. Ah, celui-ci, je l'avais acheté à Paris, dans une boutique ésotérique. Et j'aime beaucoup la couverture. J'aime beaucoup cette femme. Je trouve ça très joli. Et bah après, voilà, on n'a que des déesses dedans. Et voilà, un petit côté très féminin que j'aime beaucoup. On a toutes les déesses de toutes les différentes cultures qui sont représentées. On a
un message essentiel en haut et un petit message en bas. Ça va, il n'est pas trop surchargé. Bon, les illustrations, malheureusement, sont toujours très réduites et centrées sur les cartes. Mais bon, celui-ci, je l'aime bien. J'aime bien les messages, j'aime beaucoup les illustrations. Le cadre me gêne pas trop parce que je trouve qu'il est harmonieux. Je trouve qu'il est vraiment harmonieux, vraiment, c'est... Moi, je l'aime bien. Alors, elle, c'est Dana, la grande prêtresse. Non, non, vraiment, il est très sympa, celui-ci. Ishtar, Isis, Isolde. Non, non, il est vraiment très, très bien. Artemis, Kali, Kuan Yin. Non, on retrouve vraiment toutes les déesses des différentes traditions. Et celui-ci, vraiment très, très bien. Et je l'aime beaucoup. Donc celui-ci, c'est plus aussi de la guidance. On est beaucoup dans la guidance hein, chez Dorine Virtue. Hein. Il y a beaucoup de messages de guidance. Et je vais vous présenter les deux derniers. Alors, les anges de l'abondance. Alors ça, c'est vraiment pour moi l'oracle d'incantation. Quand on veut faire appel aux anges pour bah, une réussite financière, pour voilà, ou avoir un job, enfin bon. Pour moi, c'est vraiment l'oracle qu'il faut. Après, il est vraiment très joli. Bon, le dos, je suis moyennement fan, mais il est très joli. Bon, on a toujours beaucoup de blabla, mais bon, je me répète, hein. Mais il est vraiment sympa. Il est très doux, attiré que pour chasser. Attiré plutôt que pour chasser, rêve d'abondance. Là, vraiment, on est dans les incantations. Et moi, je trouve qu'il est très positif. Voilà, il est là vraiment dans le conseil. Non, j'aime bien. Celui-ci, je l'aime beaucoup et j'utilise régulièrement. Et j'aime beaucoup cet oracle. Donc ça, c'est les anges de l'abondance. Celui-ci, vraiment, c'est... Voilà, c'est un oracle qui parle beaucoup, en fait. Et les messages sont assez intéressants. Et le dernier que j'ai, c'est Oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. Je pense que ça doit faire partie des premiers qu'elle a fait. Qu'elle a fait, pardon, dit. Donc, le petit livret. Ensuite, c'est partagé, enfin c'est divisé en couleurs. Et voilà, le dos est comme ceci. Il est pas mal, hein. On retrouve le côté enfantin qu'on a chez Dorine Virtue. Et voilà, les cartes sont vraiment, voilà, sont très sympas. Ce sont des messages positifs. Soyez attentifs, recueillement, affirmation matinale, faites-en deux. Et elles sont partagées en couleurs. Donc les illustrations sont très très sympas, très voilà, on est toujours dans l'illustration de là on est sur les sirènes, mais bon c'est un côté féerique bien sûr, les sirènes, les dauphins, voilà, on est toujours dans des univers un peu hors du temps, voilà. Et moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est l'oracle des sirènes et des dauphins que moi j'apprécie particulièrement. Donc voilà pour Dorine Virtue. Alors moi maintenant, Dorine Virtue, je vais vous dire ce que j'en pense. Au départ, moi, j'étais pas très fan de ces oracles, les tarots, mais bon, au fur et à mesure, je me suis dit, je vais les prendre, j'aime bien les messages. C'est vrai qu'ils sont assez riches, il y a beaucoup de messages positifs, il y a beaucoup d'illustrations très parlantes et tout, et je me suis dit que c'est vrai qu'elle avait fait du bon travail. Là où... Avec Dorine Virtue, comment dire, je ne comprends pas et je n'adhère pas. Elle a décidé elle-même d'arrêter parce que elle s'est tournée vers la religion, donc elle a décidé qu'elle arrêtait de produire des tarots et d'oracles. Mais en expliquant que c'était contre Dieu, qu'il ne fallait pas le faire et tout. Alors c'est vrai que tout ce qui touche l'ésotérique, normalement, n'est pas, comment dire, n'est pas autorisé dans la religion. Mais tu fais ce que tu veux en fait.
Moi, c'est ça qui m'a gênée. Je me dis, mais Dorine, tu fais ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de culpabiliser tout le monde à travers tes vidéos, alors que tu as vendu pour des millions de dollars, certainement, parce que tu as vendu des oracles et des tarots à travers le monde. Moi, je pense que tu as très, très bien gagné ta vie pendant un certain temps. Donc, je ne pense pas que tu te sois délesté de tous tes biens et de tout ton argent. D'autant plus que bon, sur le marché, il y a toujours les tarots et les oracles de Dorine Virtue et ils se vendent toujours. Donc je trouvais que c'était malhonnête de sa part d'en faire toute une apologie. Elle fait du prosélytisme à l'envers, en fait. C'est-à-dire qu'elle a décidé que c'était fini, maintenant qu'elle se tournait vers Dieu. Les cartes, c'était malsain, que c'était maléfique et tout. Et elle peut blesser des gens qui ont non seulement énormément de jeux, mais en plus énormément de ces jeux. Donc c'est pas très honnête. C'est parce que je pense pas qu'elle se soit réfugiée dans la campagne américaine et vit dans une roulotte. Hein. Ça m'étonnerait très fortement. Et comme je vous dis, je pense que elle a fait une grosse fortune grâce à la vente de ses jeux, de ses bouquins, parce que je sais qu'elle vend des bouquins aussi. Donc voilà, c'est ce genre de personnage que moi je n'aime pas. Je vous dis honnêtement, c'est que personnage que je n'aime pas parce que on peut changer d'avis dans sa vie. On peut, moi peut-être que demain je m'arrêterai d'acheter des cartes et peut-être que je vais les donner. Et puis voilà, j'en sais rien. Mais je ne peux pas dire aux autres, voilà, moi je le fais, donc c'est la chose à faire. C'est comme les gens qui disent, moi je veux arrêter, je ne sais pas, je veux arrêter de faire des vidéos sur YouTube. Et il y en a d'ailleurs des vidéos comme ça sur YouTube, pourquoi j'ai arrêté de présenter des cartes? Ben arrête et c'est tout. En fait, on s'en fiche pourquoi tu as arrêté. Faut pas culpabiliser tout le temps les gens parce qu'il y a des gens qui sont plus fragiles, il y a des gens qui sont influençables aussi et qui n'ont pas besoin de se sentir mal parce que vous ne faites plus ce que eux continuent à faire. Et je trouve que ça, c'est très très malhonnête et ça ne se fait pas. Moi, si demain j'arrête de faire des vidéos, je vous dis tout simplement, vous verrez plus de vidéos et c'est tout. Il y aura plus de vidéos sur ma chaîne. Et basta. On s'arrête là. Mais je n'ai pas besoin de faire une vidéo pour vous expliquer que j'ai arrêté de faire des vidéos de jeux parce que je trouve que c'est contre la religion. D'ailleurs, mes jeux, je vais m'en séparer. Et ceux qui font des vidéos devraient faire très attention parce que ce n'est pas du tout bien d'en faire et tout. Ça ne se fait pas. Et ça, je ne supporte pas. Voilà, ce que je pense de Dorine Virtue, c'est ça. Elle a le droit de changer d'avis. Elle a le droit de plus adhérer du tout à l'ésotérisme. Mais elle n'a pas le droit d'influencer les gens et de donner son avis comme ça, enfin plus que son avis, comment dire, de mettre en exergue sa façon de penser en disant que c'est la bonne, que finalement elle a pris la bonne décision. C'est voilà. Donc c'est mon petit, c'est même pas un coup de gueule, c'est ce que je pense de Dorine Virtue. Les jeux, je les ai, j'en suis très contente, je sais faire la part des choses, je ne mélange pas tout. Je fais cette présentation pour mes abonnés et puis pour ceux qui m'ont demandé de le faire. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous aussi, bon, non seulement des jeux, mais aussi de votre point de vue sur Dorine Virtue. Je ne regrette pas mes achats, je vous le dis sincèrement. Mais voilà, tant pis pour elle. Moi, je suis croyante aussi, mais je n'ai pas besoin de... Je ne vais pas tomber dans l'excès non plus, parce qu'il ne faut pas non plus, parfois, quand on est dans la religion, écarter tout ce qu'il y a autour. Je m'intéresse aux autres religions aussi. Et je m'intéresse à ce qui se fait dans l'ésotérisme, voilà, par culture aussi, enfin, pas seulement pour tirer les cartes, c'est vraiment pas... J'aime bien m'intéresser aux autres traditions, c'est tout. Et... Après, peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais ce sera ma vie, ce sera pas la vie de quelqu'un d'autre. Et je n'aurai pas à l'imposer. Enfin voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous aussi. Et je vous dis à très très bientôt pour une petite revue. Bye bye!